Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir ? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Bonjour, bonjour, la Terre du Milieu, on se retrouve en compagnie d'Irnil pour la suite de ses aventures en Let's Free to Play, niveau 42 déjà, et je suis sur l'écran d'accueil parce que j'avais envie qu'on voit sa belle tenue du... mince, du Clucat. Voilà, je cherchais le nom du rite, du défi qu'on a réussi dans le dernier épisode. Donc on a quand même une armure. Bon d'accord, elle est pas terrible au niveau stylistique. Mais il y a une petite recherche quand même. Bon, ils ont fait de très beaux décors build chez Standing Stone Game ex Turbine. Faut avouer que sur les looks de fringues, surtout au tout début du jeu, donc là où on en est, hein, Angmar et compagnie, on va dire peut faire mieux, hein, juste comme ça. Et de retour en Angmar. Hop, zoom. Oui, voilà, je ne me rappelais plus où on était. Petit moment d'incertitude. Il fait nuit noire, apparemment. En Angmar, il fait quasiment tout le temps nuit, j'ai l'impression. Bouh, vraiment pas donné envie d'y habiter, hein. Fail Acro nous a laissé pas mal de petites quêtes. D'ailleurs, on va les trier par les plus proches. Oula, les plus proches, c'est un petit peu chaud au time. On va reprendre des blanches, s'il vous plaît. Donc on va enlever celle-là qui est communauté, celle-là qui est communauté. Celle-là aussi, on va prendre plutôt celle-là et celle-là, hein. Voilà, ce sera un petit peu plus à notre niveau. Rapporter les provisions à Otram, parler à Branan, c'est où ça? Et venez à bout des Orkongburs à Falsac Falroid, venez à bord des Angmarins à Falsac Falroid. Ok, et bien comme je suppose que vous savez que j'ai oublié de faire ça, hop, petit cadeau du Hobbit du jour, des potions dont on se fout royalement. J'ai oublié de vérifier aussi, bah voilà, j'avais un coffre à butin, une peau sans défaut, le reste on peut détruire, plouf. Voilà, on en est où côté inventaire? J'ai pas de clé d'avance, bah non, donc je ne peux pas ouvrir le coffre que je viens de trouver. Par contre j'ai récupéré ça, ce serait peut-être bien de l'utiliser, sauf que c'est pas terrible par rapport à ce dont j'ai besoin, moi. J'ai mieux la pierre précieuse sauvée. Ouais, bah le don de destinée, mon cher ami... tu vas te le garder. Voilà. Alors, ça, c'était pour les petits trucs. Ah, j'ai dit la carte. Ah, pardon. Ah, bah, dis donc, faut s'enfoncer dans le... Ok. Vol de nourriture, c'est tout, là-bas. Ouh, ça va être un peu showtime, là. Il va falloir aller se... Ah oui, d'accord. Fassac Falroid, c'est ça. Ok. Bon, bah on va essayer d'abord celui-là, c'est quoi? C'est la réserve d'héliotrope. Ah, faut aller la récupérer. Ok, je suis pas sûr que ce soit le plus simple. Forcément, j'ai pas pris la quête blanche. Ou alors, on va plutôt essayer d'aller au fond. Tiens, toi mon gars, il me semble que tu vas me rapporter quelque chose. Un petit cherche-cœur pour la route. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, j'ai même plus le temps de faire 4. Ok. Ah, j'ai des réflexes d'autres jeux, j'appuie sur un bouton pour courir plus vite, ça ne marche pas. Hop, est-ce que je vous fais une petite ellipse le temps d'aller là-bas? Vous connaissez pas le trajet en même temps. Donc, d'ailleurs c'est par là, non? Oui, voilà, ça vous connaissez, c'est le petit campement derrière où on a déjà fait 2-3 trucs et c'est là qu'apparemment il faut récupérer une réserve d'héliotrope. On va peut-être essayer quand même, hein. On est quand même juste à côté, c'est dommage. Ah, d'accord, non, bah oui, bah la réserve de l'héliotrope, ça va... Bah non, ça c'est clochette d'argent, c'est autre chose, ça. Ça c'est, voilà, il faut trouver 3 clochettes d'argent, je sais plus pour qui est cette quête, voilà, c'est le cataplasme de je sais plus quoi. Est-ce qu'il y en aurait une autre dans le coin, s'il vous plaît, tant qu'on y est? Bah oui. C'est pas ce qui manque. Par contre, elle est où la réserve? Ah, j'arrive pas à cliquer dessus.
Mais, voilà. La réserve d'héliotrope. La réserve d'héliotrope, a priori, elle est par là à 119 mètres. Ah, donc il faut quand même que je monte. Tu me rapportes des trucs, toi, parce que je te tue, mais. Ah oui, non, c'est juste pour les pages du livre. Pas sûr que ce soit super utile. Toi, par contre, il y a une prouesse, et puis elle est relativement longue à faire. Donc, tant que j'y suis. Hop, hop, hop. Il faudrait que je ne liste le nombre de tics de langage que j'ai, comme tous les gens qui font des vidéos. Entre les hop hop hop, les tic-tac boom. Je sais que mon copain Atlif, lui, c'est évidemment. Enfin, les adverbes en or, il aime bien. Et moi, c'est les hop hop hop. Alors, où est-ce qu'elle est cette réserve de. Ah, oui, évidemment. Tant qu'à faire, elle est dans la partie haute de ce camp. Donc, il va falloir passer en douce. Tiens, quelqu'un m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Allez, cherche-cœur. Évidemment, j'aurais dû m'en douter que j'attirais l'autre. Hey, mais il m'assomme en plus. Tiens, moi aussi je peux. Qu'est-ce que tu croyais? Plom, 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 plom. Sur une musique glauque de Langemar, Irnil se prend des flèches empoisonnées. Ouais, je meuble un peu. Hein. Je vous avoue que là. Alors, elle est où là? C'est ça la réserve d'héliotrope? Non, évidemment, c'est juste un coffre. Par contre, là-bas. Ouais, c'est ça. Ça, on prend les sous-sous et le reste, on s'en fout. Hop. Faudrait que je reprenne aussi, mais je manque de temps. Let's play Mordor quand même. Qu'on découvre ensemble la suite. Et puis bah surtout il y a les nouvelles extensions là. Les comment. Ouais, je suis VIP en plus, je paye pour rien là, c'est vraiment ballot. Faudrait vraiment que. Ouais, il y a les extensions avec les dragons et tout ça, là, ça a l'air vraiment super intéressant. Mais pour ça, il faut que je finisse le Mordor. Faudrait que je fasse en accéléré en fait. Parce que du coup, quand je le fais en vidéo, ça ralentit un petit peu. Parce que vous voyez bien, il faut le temps de tout faire, de tout tourner, de faire un petit montage, de mettre une petite vignette et hop 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 hop. C'est la journée des hop 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 hop. Et donc du coup, c'est vrai que ça me prend un temps fou. Par contre, c'est vrai que je pourrais faire en timelapse une partie. Enfin, c'est pas simple parce que bah, l'idée c'est quand même de partager avec vous le parcours. Sinon, ça n'a pas un énorme intérêt. Même s'il y a des moments relativement longuets, comme celui que nous faisons en ce moment, lui, il doit m'apporter quelque chose. Voilà. Talalam. Tuons de l'orque. Tuons de l'orque. Casse-toi, toi. Il y a l'autre là derrière qui me fait mal. Ah, mais t'es pas mort, toi? T'as pas fui? Pourquoi t'as pas fui? Je t'ai envoyé une flèche de barde. De sapajou, comme dirait le capitaine Haddock. Le tireur à distance d'abord. Je devrais mettre des pièges aussi, tiens, tant que j'y pense. Ce serait bien que j'optimise un peu mes compétences et que je ne n'attire pas à moi quelqu'un sans avoir posé un piège devant moi. C'est qu'il ferait mal le petit coco là. Là, par exemple, celui-là, on met un petit piège, surtout que c'est un capitaine, et on lui balance une flèche comme ça dans la foulée. Voilà, et on recule un petit peu parce que sinon il va pas se prendre dedans. Le capitaine Tarkrip. Voilà, bon, il compte même pas en plus. En fait, il faut que je m'en fasse pas mal là-dedans, je crois. Des guerriers Tarkrip, machin truc.
Ouh, mais c'est qu'il y aurait du monde. Ah, celui-là, il va me faire mal. Donc, on va le faire fuir d'abord. Et on va s'occuper de son copain après. Voilà, technique de chassou. J'ai encore oublié de poser un piège avant, par contre. Il va falloir vraiment que j'améliore mon histoire. Hein. Ah, bah, de toute façon, je pouvais pas. Suis-je bête? Il compte lui pour quelque chose? Ouais, juste la prouesse des orques. Bon. Moyen bien. Alors, je peux toujours pas poser de flèche. Pouah, ça c'était du... Ah bah alors là, ça c'était de du bon cherche-cœur, ça venait. Pouah. Allez, t'es mort. Allez, hop. Est-ce que ça me rapporte quelque chose, ça? Pas encore. Par contre, lui, il veut m'embêter, pareil. Une petite flèche de barde. Vite, un petit piège. Oula, qu'est-ce qu'il m'emmène, lui? Eh, hey, tu m'emmènes pas tout le monde comme ça, toi? Ah, j'y voyais plus clair du tout, là, pour le coup. Et lui, il a pas fui, là. Ma flèche de barde marche moyen, en fait. C'est pas cool. Allez, le petit balafreux des cavernes, là. Hop. Là, l'autre, là-bas. Hop. J'en suis à 5 sur 6, il m'en manque 2. Un de chaque maintenant. Ok, on va peut-être se soigner aussi. Parce que là, ils m'ont fait un peu mal. Dis donc, il m'a perturbé l'autre en me ramenant tout le monde là comme ça. Là. Ça se fait pas. Non, mais. Mais enfin, comme dit Gaston Lagaffe. Ah zut, j'ai hésité à poser un piège en plus. Je pensais qu'il était tout seul. Ils sont bizarres là. 6 sur 6, mince, c'est pas celui-là que je voulais me faire. Bon, vous pensez que celui dehors il a repopé là? Hein, qu'on évite de se faire tout le camp, parce que je pense que ça va être un peu showtime. Et ben voilà, il est gentil, il est coopératif. Ah, j'aurais dû me faire l'autre celui, juste avant. Alors on va faire comme ça, on se met un petit piège, cette fois-ci soyons malins. On lui balance un petit comme ça, un petit cherche-cœur, histoire de l'achever direct. Voilà, et on se fait le guerrier dans la foulée, comme ça. On a fait la moitié de... Hop, 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 hop. Non, trop tard. Voilà, je me suis mélangé dans mes touches. Punaise, repopé sur moi, ça se fait pas. Il va y avoir un truc pour empêcher ça. Et puis vas-y, allez, faites du tir automatique, Irnil, vas-y, je t'en prie. On avait vraiment besoin que t'attires l'écumeur du Vardan. Voilà. Allez, on va essayer, tant bien que mal. Combien de temps d'épisode ça va? On va avoir le temps, normalement. De traverser pour aller au deuxième endroit. Voilà, là on est en face à Kfalroïd. J'avais pas un... Si, il fallait bien que j'amène des... Ah, qu'est-ce que j'ai attiré? Ça. Yop la boum. Essayer d'éviter tout le monde et d'apporter les provisions à Oslam ou parler à Branan, je sais pas exactement lequel. Oups, t'étais caché dans les herbes toi, canaillou. Bon bah vu que tu comptes. Toi, tu comptes pas, c'est pas malin. Donc, les Angmarins, ceux en robe. Il faut taper ceux en robe. Volchal dire, s'il te plaît, dis à Irnil de taper ceux en robe. Ou ceux-là, peut-être. Non, même pas. Les Duvardan, on s'en fout. Ils sont nuls, de toute façon. On les laisse vivre leur vie. Bah oui, on a le droit de pas les attirer aussi. Irnil, quand même. Ma foi. Allez, assomme-moi, non, je garde mon pouvoir. Hop.
tac, tac. Allez, je veux juste aller parler au monsieur, moi, qui est dans la cité là-bas. Because is the theme of this episode. Notez l'anglais parfait, avec accent totalement merdique. De Holchaldi. Voilà, qui attire encore et encore trop de Duvardan. Voilà, encore faire assommer les écumeurs m'assomment. C'est à retenir. Les écumeurs assomment. Je répète, les écumeurs assomment. Pour ceux qui ne se souviendraient pas, c'est une réplique. Enfin, c'est dans plusieurs films, mais pour moi, c'est le jour le plus long. L'histoire du débarquement en Normandie avec les messages de la résistance. Cette référence à Londres vous parle, je répète, Londres vous parle. Tanana, parlez à Garvan. Ok, je sens que ça va être compliqué tout ça. C'est toi qu'il faut que j'aille. Non, c'est pas toi qu'il fallait que j'aille voir. C'est lui là-bas. Bon, d'accord. Et là, il faut que je ramasse les réserves de nourriture. Ok. Bon, les quêtes jaunes, ça se fait aussi, hein, visiblement. Tant qu'on n'est pas aux quêtes rouges, on s'en sort. J'ai cru voir une autre caisse par là. Voilà. Hein, tant qu'on fait une quête, on va la faire bien. Après tout. Hop. Pas là, pas là, pas là. À gauche. Non, il y a un méchant. Mais il n'y a pas de caisse. À gauche, il y a un méchant, mais il n'y a pas de caisse. Et toi, tu es infiltré parmi les trèfles du Vardan. Parlez à Morwen. C'est Morwen, pardon. Ah bah tiens. Allez, un bon petit agro des familles, là. Et puis on laisse un gars dans son dos, c'est bien. C'est une bonne idée, ça. Tiens, hey, faites donc... Merci, j'ai raté mon coup. Faites donc dodo, là. Vous me cassez les pieds, là. J'arrive pas à cliquer dessus. Voilà, nom d'une pipe. C'est quand même dingue, ça. Tiens, toi. Mince, je voulais poser le piège le temps que t'étais hein, assoupi. Oh, et puis attends, il est même pas pris dedans. Non, mais n'importe quoi, là. Je fais n'importe quoi. Cette fin d'épisode est totalement à l'ouest. Bon, bah vu qu'on les a aggro, on va continuer par là. On va chercher nos petites caisses. Hein. Ta, 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 ta. Hop, une petite caisse, là. Oh, c'est quoi cette petite musique derrière? Et ils sont relativement pénibles, les Duvardan, là. On peut pas se promener tranquille sans qu'on vous tombe dessus, quoi. Moi, j'ai juste des petites quêtes à faire, là, à récupérer des petites réserves que vous avez volées, de toute façon. Et vous venez me casser les pieds, là, sans arrêt. Comment voulez-vous que je finisse mon épisode tranquille? Ou tiens, j'ai fait quoi, là? Oh, prouesse accomplie, c'était quoi? Ah, pas mal, j'ai déjà fait pas mal de quêtes en Angmar. Je suis déjà à celle du final, bah dis donc. Tiens, hop, un autre coffre. Oula, oula, ça loot trop de coffres ici. Moi, j'ai pas de clé pour ouvrir tout ça. Et on se calme. Hop, 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 hop. Ouais, bon, bah les matomes, on va arrêter de les prendre. Hein. Ça prend de la place et je peux que les stocker. Plop, plop, plop. Ok, alors là où il y a une caisse, est-ce que je peux la voir sans monter? Yes, je peux. Il m'en manquera plus que 3. On va essayer d'esquiver les deux gaziers là qui sont en pleine conversation. Faudrait pas les déranger surtout. Mince, j'en ai attiré un. J'en ai attiré un autre. Ah, faut parler à ce gars-là. Là. Hop, j'en ai attiré 36 en plus. Allez, mais non, mais vous me cassez vraiment les pieds pour rester poli. Donc toi, tu fuis. Voilà. Non, tu fuis pas. Ok, il y a l'autre qui me canarde derrière là. Ça, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça craint même du boudin. Todo! Allez! Lance-moi ça, nom d'une pipe. Je vais mourir, bêtement. Oh! Juste quand je le lance. Bon. Si je me replie... Allez, tant pis, je me replie. Hein. C'est le jeu. Bon, un petit fail. Voilà, on se retrouve à Auger, bonne idée. Mais bon, l'avantage, c'est que j'ai des quêtes à rendre à Auger, donc on va pouvoir terminer l'épisode sur ce petit fail. Ne pas attirer 3 du Vardan sur soi, c'est pas une bonne idée. Je n'ai même pas vu comment je les avais attirés, ça me gave un peu là sur ce coup-là, je vous avoue.
C'était pas du tout prévu. Ploup. Pas du tout, du tout, du tout. Allez, là, on va couper à travers pour la peine. À qui je dois rendre des quêtes, s'il vous plaît? À ce monsieur, donc Finan. Les collines d'Ankmar ne pardonnent C'est rien pas à mal cet ça. imprudent. Armure 1200, gna. Non, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, on prend. Hop. Non, sans deck, j'ai qu'une quête à rendre ici. Non. Là, il y a bien quelqu'un qui m'a demandé quelque chose ici. J'avais pris plein de quêtes à Auguerre. Je vais quand même pas revenir ici juste pour une quête. Ça se fait pas, ça. C'est quoi cet épisode? Non, mais franchement. Alors, Bonjour pas la Arthur. madame. Et j'ai plus de place. J'ai plus de place. Bah oui, avec tous ces coffres là qu'on me donne. Qu'est-ce que je peux balancer? Bah tiens, ça, j'en voulais plus tout à l'heure. Hop. Terminé. Et est-ce qu'il est bien ton anneau du coup? 40 en vitalité. Ah oui, à la place de la bague des champions, ça peut être pas mal. Hop, tout de suite à la place de ma bague des champions. C'est bien celle-là. Ouais. Eh. Ah oui, 3719 au lieu de 2400. Ah non, au lieu de je sais plus combien. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, bah ça c'est bon. Et ben ma foi, je vous avoue que ben suite à ce fail, on va peut-être en rester là parce que le temps que j'y retourne, ça va être un petit peu long. On a quand même réussi à finaliser deux quêtes et puis bon, il y en a pas mal à rendre puisqu'il faut que je rapporte les provisions à Outram et machin là, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, comme on dit. Hop, au revoir la Tarna. Et bien moi je vais vous dire à bientôt, bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.